Bonjour, je me présente, je suis M. Mpikagi Richard, professeur de mathématiques. Alors, le cours que nous allons dérouler ce matin-là concerne sur les nombres complexes. Alors, ce cours est destiné aux élèves de terminale scientifique, c'est-à-dire les séries C et D. Alors, nous avons appris à résoudre les équations du second degré. On a vu les différents cas. Que la résolution d'une équation du second degré, de façon générale, consiste à calculer le discriminant et distinguer les différents cas ou bien les différents résultats qu'on peut avoir à propos du discriminant. Alors, nous avons résolu deux exercices précédemment et aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice, donc un troisième. Alors, cet exercice-là, il s'agit de résoudre une équation du second degré, mais cette fois-ci, cette équation comporte un paramètre angulaire. Ça peut être θ, ça peut être alpha, et ainsi de suite. Et donc, c'est cet exercice-là, donc le troisième exercice, que nous allons résoudre avant de passer à la résolution des équations complexes ramenant au second degré, c'est-à-dire les équations complexes du troisième degré et les équations complexes du quatrième degré. Alors, cet exercice-là dit quoi? Donc, nous avons exercice 3, après les deux premiers. Alors, que dit cet exercice? L'exercice dit ceci. Soit θ, un réel, tel que moins pi, inférieur à θ, inférieur à pi. Alors, la première question, on nous demande de faire une démonstration. Démontrer que deux points, sinus θ au carré moins 2 facteur de 1 plus cosinus θ égale à moins 4 cosinus puissance 4 de θ sur 2. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, on considère dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation suivante. Alors cette équation, nous allons la désigner par grand E, tout simplement. Dans l'équation E, il s'agit de l'équation 1 plus suivante, oui. Équation 1 plus cos θ suivante. Voilà, donc l'équation E, c'est 1 plus cos θ z carré moins 2 sinus θ z plus 2 égale à 0. Bon, la première question, donc petit a, on nous demande de résoudre cette équation. Donc résoudre l'équation E. Bien sûr, nous sommes dans l'ensemble des nombres complexes. Résoudre l'équation E et la deuxième question, on nous demande d'écrire les solutions. Écrire les solutions de E sous la forme trigonométrique. Voilà notre exercice 3 que nous allons résoudre ce matin. Alors donc, solution. Soit θ, un réel, tel que moins pi,
inférieur à θ, inférieur à π. Petit 1. Démontrons que sinus θ au carré moins 2 facteur de 1 plus cosinus θ égale à moins 4 cosinus puissance 4 de θ sur 2. Alors, nous allons faire cette démonstration-là sous la base des formules de transformation trigonométrique. Alors, je vais rappeler ces formules-là. Donc, rappel, quel que soit, on peut prendre T, ou quel que soit T appartenant à R, on a les deux relations suivantes. Sinus de T égale à 2 cosinus de T sur 2 multiplié par sinus de T sur 2. Et ensuite, 1 plus cosinus de T égale à 2 cosinus carré de T sur 2. Donc, nous allons partir sur la base de ces deux formules-là. Alors, donc, nous prenons notre relation. On a sinus θ au carré moins 2 facteur de 1 plus cosinus θ, qui est donc égal à quoi? Ben, sinus θ, on va remplacer par... Donc, on aura 2 cosinus θ sur 2 fois sinus θ sur 2 moins le tout élevé au carré, bien entendu, moins 2 facteur de... Étant donné que 1 plus cos t donne 2 cosinus carré t sur 2, et donc 1 plus cosinus θ donnera 2 cosinus carré θ sur 2. À ce moment-là, on a donc l'égalité. 2 au carré, ça fait 4. Bon, on peut mettre ça sous la même ligne. Alors donc, on met ça ici. On aura donc 4 cosinus carré θ sur 2 multiplié par sinus carré θ sur 2. Ici, 2 fois 2, ça fait 4. Moins 4 cosinus carré θ sur 2. Bien, on a cosinus carré θ sur 2 fois sinus carré θ sur 2. Moins 4 cosinus carré θ sur 2. On peut mettre 4 cosinus carré θ sur 2 en facteur. Donc, ça nous donne 4 cosinus carré θ sur 2. On met cela en facteur. Ici, il restera donc sinus carré θ sur 2 moins 1. Voilà. Alors, nous allons continuer. Nous avons la relation fondamentale de la trigonométrie qui dit que cosinus carré t, pour tout réel t, cosinus carré t plus sinus carré t égale 1. Et donc, on peut faire des transpositions et on arrive finalement au résultat suivant. Donc, sinus carré θ moins 2 facteur de 1 plus cosinus θ, ça va nous donner quoi? Alors, on aura donc 4 cosinus carré θ sur 2 en facteur. Et cette quantité qui est entre crochets nous donne tout simplement moins cosinus carré θ sur 2. Donc, moins cosinus carré θ sur 2. À ce moment-là, cosinus carré θ sur 2 multiplié par cosinus carré θ sur 2, eh bien, ça donne cosinus à la puissance 4 sur 2. Et 4 multiplié par moins 1, ça donne moins 4. Finalement, on a le résultat attendu. Donc, sinus carré θ moins 2 facteur de 1 plus cosinus θ, c'est égal à moins 4 cosinus à la puissance 4 θ sur 2. Nous avons ici notre résultat. Alors, ce résultat-là n'est pas demandé par hasard, parce que cela va nous servir dans la suite. Alors, donc, on va passer à la deuxième question.
La deuxième question, au petit a, on nous demande de résoudre l'équation E. Donc, petit 2, soit l'équation E il s'agit de 1 plus cosinus theta z carré moins 2 sinus theta z plus 2 égale à 0. Bien, on remarque d'abord que tous les coefficients qui sont ici sont des réels. 1 plus cosinus theta, c'est un réel. 2 sinus theta, c'est un réel. Et 2 aussi, c'est un réel. Donc, nous avons une équation du second degré à coefficient réel. Alors, on va calculer le discriminant. Ici, puisqu'il y a 2 devant sinus theta, on peut penser tout de suite au discriminant réduit. On peut aussi calculer le discriminant général. Mais dans ce cas précis, ou bien dans ce cas présent, il est mieux de calculer le discriminant réduit. Alors, on va calculer le discriminant réduit. Donc, ici, on va rappeler les valeurs de A, B et C. Donc, on nous demande de résoudre petit a. Donc, résolvant dans C l'équation E. Bon, pour cela, nous prenons le soin de rappeler les valeurs des constantes, des coefficients, autrement dit. Donc, A, ici, c'est 1 plus cosinus θ. B, c'est donc moins 2 sinus θ. Et C, c'est égal à 2. Comme B, c'est moins 2 sinus θ, on peut calculer B'. B', ce n'est autre que la moitié de B. Donc, B divisé par 2, donc ça fera moins sinus θ. Alors, nous allons calculer donc le discriminant réduit, delta prime. Delta prime est égal à B prime carré moins AC. B prime carré moins AC. Donc, nous aurons B prime, c'est moins sinus θ. Donc, moins sinus θ, le tout au carré, moins A, c'est 1 plus cosinus θ et C, c'est 2. Alors, en calculant le discriminant réduit, nous retrouvons le résultat de la question 1. Voilà pourquoi on avait dit que ce résultat devait nous servir dans la suite. Effectivement, nous y sommes. On a besoin de ce résultat-là. Donc, delta prime est égal à sinus carré θ moins 2 facteur de 1 plus cosinus θ. Et ceci, nous venons de voir que ça donne moins 4 cosinus à la puissance 4 de θ sur 2. Donc, delta prime égal à moins 4 cosinus puissance 4 de θ sur 2. Donc, ici, nous avons une équation du second degré à coefficient réel et dont le discriminant est strictement inférieur à 0 du fait que cosinus puissance 4 de θ sur 2, c'est quelque chose de positif, c'est une quantité positive. Donc on peut écrire delta prime, évidemment, moins 4 cosinus carré θ sur 2, le tout au carré. Alors tout de suite, on remarque que là, on a un réel positif. Ici, on a un réel négatif. Le produit d'un réel positif par un réel négatif nous donne tout simplement un réel négatif. Donc, le discriminant est négatif. À ce moment-là, le cours précédent, nous avons vu que lorsque le discriminant est un réel négatif, les solutions de cette équation sont de la forme. Donc, on va rappeler que delta prime inférieur à 0, alors les solutions, donc delta prime est un réel négatif. Alors, les solutions de E sont de la forme. En passant, je rappelle que ces deux solutions sont conjuguées l'une de l'autre, parce que c'est une équation du second degré à coefficient réel.
et que le discriminant est strictement négatif. Donc, on a deux solutions complexes conjuguées. Alors, les solutions de E sont de la forme Z1. Bon, étant donné que nous avons travaillé avec le discriminant réduit, donc ça fera moins B' plus I racine carrée de valeur absolue de delta prime sur A. Et Z2, on aura moins B prime moins I racine carrée de valeur absolue de delta prime sur A. Bien, nous commençons avec Z1. Donc Z1, donc moins B prime plus I racine carrée de valeur absolue de delta prime sur A. Et Z2, c'est moins B prime moins I racine carrée de valeur absolue de delta prime sur A. Alors, donc Z1, ça va nous donner moins B prime. Moins B prime, donc on aura sinus theta, plus I racine carrée de la valeur absolue de delta prime. Delta prime, c'est donc moins 4 cosinus carré theta sur 2. Bon, le tout au carré, on peut mettre la puissance 4. Voilà, sur A. A, c'est 1 plus cosinus theta. Donc, on aura sinus theta plus, alors, I racine carrée, la valeur absolue, donc on aura 4 cosinus puissance 4 theta sur 2 sur 1 plus cosinus theta. Et finalement, bon, on peut évoluer sur la même ligne. On aura donc sinus theta plus I. Bon, le 4 peut sortir, ça fera 2. Donc, on aura 2i cosinus carré theta sur 2. Le tout divisé par 1 plus cosinus theta. Alors, on peut continuer ou on peut garder ça. On peut garder le résultat de Z1 sous cette forme. Alors, puisque les solutions sont conjuguées l'une de l'autre, connaissant Z1, on peut directement déduire Z2. Donc, on a d'abord Z1 qui est donc égal à sinus theta plus 2i cosinus carré theta sur 2 sur 1 plus cosinus theta. Bon, on peut séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Donc, Z1 égale à sinus theta sur 1 plus cosinus theta plus I. Bon, on peut mettre I 2 cosinus carré theta sur 2 sur 1 plus cosinus theta. Ça, c'est Z1. Et on peut passer à Z2. Z2 sera donc le conjugué de Z1. Donc, on aura tout simplement sinus theta sur 1 plus cosinus theta. Lorsqu'on parle de partie, bon, d'expression conjuguée, c'est juste la partie imaginaire qui change de signe. On garde la partie réelle intacte et on change le signe de la partie imaginaire. Donc, moins I, on aura 2 cosinus carré theta sur 2 sur 1 plus cosinus theta. Alors, donc, l'ensemble des solutions de E est le point S égale, on aura donc sinus theta sur 1 plus cos theta plus I 2 cosinus carré theta sur 2, 1 plus cosinus theta. Et puis, on a sinus theta sur 1 plus cosinus theta moins I 2 cosinus carré theta sur 2 sur 1 plus cosinus theta. Voilà donc
l'ensemble de solutions de cette équation, de l'ensemble C. Alors, nous allons passer à la question B. On nous demande d'écrire les solutions de E sous la forme trigonométrique. Donc B, écrivons les solutions de E sous la forme trigonométrique. On va écrire les solutions de E sous la forme trigonométrique. Bon, les deux solutions sont conjuguées l'une de l'autre. Il suffit de connaître la forme trigonométrique de l'une et on peut déduire la forme trigonométrique de l'autre. Bon, on prend Z1. Pour Z1 égale sinus θ sur 1 plus cos θ plus I2 cosinus carré θ sur 2 sur 1 plus cosinus θ. Bon, c'est vrai. Nous avons Z1, ça c'est la partie réelle, et ça c'est la partie imaginaire. Bon, en principe, quand on passe de la forme algébrique à la forme trigonométrique, ben, il faut déterminer le module et un argument de Z1. Mais, étant donné que nous avons ici un paramètre, on peut essayer d'utiliser les formules de transformation trigonométrique tout simplement et pour nous conduire vers une forme trigonométrique. Donc, on va prendre notre Z1 qui est ici présent. On va essayer de le transformer tout simplement pour arriver à une forme trigonométrique. Donc, Z1 égale, bon, je peux regrouper puisque c'est le même dénominateur. On peut regrouper sinus θ plus I2 cosinus carré θ sur 2 sur 1 plus cosinus θ. Alors, nous avons vu ces formules-là, je les ai rappelées dès le début. Donc, sinus θ, on peut écrire 2 sinus θ sur 2 fois cosinus θ sur 2 plus 2i cosinus carré θ sur 2. Au dénominateur, on fait la même chose. 2 cosinus carré θ sur 2. Alors, on a 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Ici, on a 2i cosinus carré θ sur 2. Cosinus carré θ sur 2, ça veut dire cosinus θ sur 2 multiplié par cosinus θ sur 2. Donc, nous avons un terme que nous pouvons mettre en facteur ici. Et ce terme-là, c'est 2 cosinus θ sur 2. Donc, nous mettons 2 cosinus θ sur 2 en facteur au numérateur. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste sinus θ sur 2 plus I cosinus θ sur 2. Et au dénominateur, nous avons toujours 2 cosinus carré θ sur 2. Alors, nous continuons. Arrivé ici, on a 2 cosinus θ sur 2 sur 2 cosinus carré θ sur 2. Bon, pour cosinus carré θ sur 2 différent de 0, on peut procéder à une simplification. Donc, on peut simplifier 2 et 2. On simplifie cosinus θ sur 2 avec 1 cosinus θ sur 2 ici. Parce que cosinus carré θ sur 2, c'est cosinus θ sur 2 multiplié par cosinus θ sur 2. Donc, après simplification, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester, donc, au numérateur, il va nous rester sinus θ sur 2 plus I cosinus θ sur 2. Et au dénominateur, il va nous rester cosinus θ sur 2. Après simplification. Alors, cette écriture peut encore s'écrire comme ceci. Donc, Z1 égale à 1 sur cosinus θ sur 2. Et
Nous avons sinus θ sur 2 plus i cosinus θ sur 2. Alors, nous allons arranger ce qui est dans les crochets, étant donné que lorsqu'on parle de forme trigonométrique, je rappelle que la forme trigonométrique d'un nombre complexe de modules R et d'arguments θ, c'est R facteur 2 cosinus θ plus i sinus θ. Et on voit dans cette formule que le i est du côté du sinus. Or là, nous avons un i qui est du côté du cosinus. Et dans les cours précédents, les cours antérieurs, nous avons vu comment passer du cosinus au sinus et comment passer du sinus au cosinus. Donc, on utilise les formules des angles complémentaires. Donc, sinus de θ sur 2 peut être remplacé par cosinus pi demi moins θ sur 2. Donc, je rappelle que quel que soit t appartenant à R, cosinus de t, c'est sinus de pi sur 2 moins t, et sinus de t, c'est cosinus de pi sur 2 moins t. Donc, en appliquant ces formules, on aura d'abord Z1, on va voir le cas du module là après, cosinus θ sur 2. Alors, donc, sinus t, donc sinus θ sur 2, ça fera cosinus de pi sur 2 moins θ sur 2 plus i. Et le cosinus t, ça donne sinus pi demi, pi sur 2 moins t. Donc on a tout simplement sinus de pi sur 2 moins θ sur 2. Alors nous avons dit que le réel et le module, c'est un réel strictement positif. Et là nous sommes en face d'un paramètre θ. Alors, nous avons cosinus θ sur 2, qu'on ne connaît pas encore le signe jusqu'à présent. Alors, on nous a donné l'intervalle de θ. θ est dans l'intervalle de moins pi à pi. Or, moins pi inférieur à θ inférieur à pi entraîne que moins pi sur 2 sera inférieur à θ sur 2 inférieur à pi sur 2. Alors, nous remarquons que dans cet intervalle-là, de moins pi sur 2 à pi sur 2, avec notre cercle trigonométrique, de moins pi sur 2 à pi sur 2, nous parcourons le quatrième et le premier cadran. C'est-à-dire, de moins pi sur 2 à 0, c'est le dernier cadran, et de 0 à pi sur 2, c'est le premier cadran. Et dans ces deux cadrans-là, sur 2. Voilà. Donc, nous avons les deux intervalles, de moins pi sur 2 à 0, et de 0 à pi sur 2. De moins pi sur 2 à 0, nous avons donc le dernier cadran. Et dans le dernier cadran, nous savons que le cosinus est positif. Et de 0 à pi sur 2, il s'agit du premier cadran. Et dans le premier cadran, le cosinus aussi est positif. Donc, on n'a pas de doute que cette quantité-là, différente de 0, est positive. Donc ici, finalement, nous avons donc la forme trigonométrique de Z1. Donc, le module, c'est 1 sur cosinus θ sur 2. Et un argument de Z1, c'est pi sur 2 moins θ sur 2. Donc, on peut encadrer ce résultat-là. Donc, on peut conclure que, à partir de ceci, donc, cosinus θ sur 2 est strictement supérieur à 0. Voilà. Donc, nous avons ici la forme trigonométrique de Z1. Bon, étant donné que les deux nombres complexes sont conjugués l'un et l'autre, lorsqu'on connaît la forme trigonométrique de l'un, on peut déduire la forme trigonométrique de l'autre. Et donc, la forme trigonométrique de Z2, lorsque deux nombres complexes sont conjugués, ils ont le même module et ils ont des arguments opposés. Donc, pour Z2, c'est inutile de faire toutes ces transformations-là. Donc, pour Z2, on va seulement déduire à partir de la forme trigonométrique de Z1. Donc pour Z2, on aura Z2 égale, c'est le même module, 1 sur cosinus θ sur 2, et les arguments sont opposés. Donc on prendra θ sur 2 moins pi sur 2 plus i sinus de θ sur 2 moins pi sur 2. Voilà donc la forme trigonométrique de Z2. Sinon, les formes trigonométriques de
Z1 et Z2. Voilà tout ce qu'on pouvait compléter à propos des équations du second degré. Donc, nous allons passer tout de suite aux équations se ramenant au second degré. Équations complexes se ramenant au second degré. Je disais qu'on a fini avec les équations du second degré. Et nous allons maintenant passer aux équations complexes se ramenant au second degré. Parmi ces équations, on va commencer par l'équation complexe du troisième degré. Une équation complexe du troisième degré est une équation de la forme A, z au cube plus B, z au carré plus CZ plus D égale à 0. Avec ABCD, des nombres complexes. Des nombres complexes et A différent de 0. Alors, rappelons que tout nombre réel est un nombre complexe particulier, donc ça peut aussi être des nombres réels. Mais ici, on a pris donc, la globalité. Alors, depuis les classes antérieures, donc la classe de première, on sait que pour résoudre une équation du troisième degré, il faut avoir au moins une solution, sinon deux solutions évidentes, pour permettre de continuer la résolution. Donc, dans l'ensemble C, on va appliquer la même méthode, donc ça ne dérange pas la règle. Donc il faut connaître une solution évidente ou deux solutions évidentes, et pour nous permettre de faire la résolution. Alors si on connaît une solution évidente que nous désignons par Z0, cette équation-là, AZ au cube plus BZ carré plus CZ plus D égale à 0, peut s'écrire, donc si Z0 est une solution évidente, est une solution évidente, alors l'équation E, l'équation E, c'est cette équation-là, nous la désignons par E, l'équation E peut s'écrire tout simplement Z moins Z0, alpha Z carré plus bêta Z plus gamma égale à 0, où alpha, bêta et gamma sont des nombres complexes. Alors, on peut déterminer ce polynôme-là du second degré par les méthodes que nous connaissons, division euclidienne, Horner, ou bien la méthode des coefficients indéterminés. Voilà. Alors, nous allons partir sur la base d'un exemple, puisqu'ici, on sait déjà comment on résout une équation du second degré, donc on ne met plus trop du temps pour ça. On va passer droit à un exemple. On prend un exemple. Nous avons donc cet exercice-là. Nous avons l'exercice ici. Dans l'ensemble, c'est des nombres complexes. On considère cette équation-là. Alors, nous allons voir rapidement comment trouver la solution évidente qui n'est pas connue ici. On nous demande de la chercher. Donc, solution. On a E, c'est Z au cube, moins 3. Z au carré plus 3 moins I, Z moins 2, 1 moins I égale à 0. Alors, démontrons que E admet une solution. Une solution réelle. Z0. Bon. Z, un petit z, évidemment, puisqu'on travaille avec le petit z. Démontrons que E admet une solution réelle Z0. On va déterminer donc cette solution réelle. Alors, puisque c'est une solution réelle, donc on peut poser. Nous savons que la forme générale d'un nombre complexe sous forme algébrique, c'est z égale à a plus ib. Z égale à A plus IB, où A et B sont des réels. Bon, si B est nul, si la partie imaginaire est nulle, Z égale à A est dit réel. Donc, on va poser Z0 égale à A. Posons Z0 égale à A. Alors, si Z0 égale à A est solution, donc ça vérifie cette équation. On va remplacer tout simplement. On a donc A au cube
moins 3a carré plus 3 moins ia moins 2 facteur de 1 moins i égale à 0. On a donc a au cube moins 3a au carré plus 3a moins ai moins 2 plus 2i égale à 0. On regroupe les parties réelles d'un côté et les parties imaginaires de l'autre. Donc, on a a au cube moins 3a carré plus 3a moins 2. Et ici, on peut mettre i en facteur, donc plus moins a plus 2i égale à 0. Voilà, donc a au cube moins 3a carré plus 3a moins 2 plus moins a plus 2i égale 0. Alors, nous avons ici donc la nullité d'un nombre complexe. Ça, c'est la partie réelle, ça, c'est la partie imaginaire. Un nombre complexe est nul si seulement si les deux parties sont nulles au même moment, simultanément. Donc, partie réelle égale 0, partie imaginaire égale 0. Donc, on a ceci, nous donne le système a au cube moins 3a carré plus 3a moins 2 égale à 0 et moins a plus 2 égale à 0. Nous avons les équations 1 et 2. Alors, l'équation la plus simple, il est clair que l'équation 2 semble être l'équation la plus simple à résoudre. Et donc, de l'équation 2, de 2, on en déduit que a égale à 2. Alors, a égale 2, est-ce que c'est compatible avec 1? On va vérifier. Donc, vérifions. On va vérifier si la valeur a égale à 2 correspond ou bien ça vérifie l'équation 1. Donc, on a 2 au cube moins 3 2 au carré plus 3 facteur de 2 moins 2. Est-ce que c'est égal à 0? On verra bien. 2 au cube, ça fait 8. Moins 3 fois 4, 12. Moins 12. 3 fois 2, 6. Plus 6. Moins 2 égale 0. Moins 12, moins 2, moins 14. 8 plus 6, 14. 14, moins 14 égale à 0. 0 égale à 0. Vrai. Donc la solution réelle. La solution réelle de E est Z0 égale à 2. Nous avons la solution réelle. Alors, la deuxième question. On nous demande de déterminer, donc déterminant les nombres A, B et C. Nous allons déterminer les nombres A, B et C. Bon, nous allons choisir la méthode la plus rapide, c'est la méthode de Horner. Donc, on fait le tableau de Horner. Donc, par la méthode de Horner. Donc, nous allons placer les coefficients dans un tableau. Bien, on va placer dans les coefficients. Le premier coefficient, c'est 1. 1, on le place ici. Ensuite, nous avons moins 3. Nous avons 3 moins i. 3 moins i. Et enfin, on peut développer. Ça fait moins 2 plus 2i. Plus 2i. On place à gauche, au milieu, donc la solution évidente, c'est 2. Voilà. On abaisse donc le premier coefficient, c'est 1, et on procède par des multiplications. 1 multiplié par 2, ça donne 2. Alors, en faisant la soustraction,
moins 3, disons l'addition, moins 3 plus 2, ça nous donne moins 1. On prend moins 1, on multiplie par 2, ça donne moins 2. On a moins 2 ici. Lorsqu'on additionne 3 moins 2, ça fait 1. On a 1 moins i. Et en multipliant là-bas, on a 2 moins 2i. À la fin, donc, nous avons 0. Ainsi donc, les nombres complexes cherchés sont... Les nombres complexes cherchés sont... sont A égale à 1, B égale à moins 1, et C égale à 1 moins I. Ensuite, on nous demande d'achever la résolution de notre équation. 3, achevons la résolution. Bien, étant donné que nous connaissons déjà la solution évidente et que nous avons les valeurs de A, B et C, alors achever, ça veut dire qu'on avait déjà commencé et on va, en commençant parce qu'on avait déjà trouvé la solution évidente, une solution qu'on connaît déjà, c'est Z est égal à 2. Il nous reste donc les deux autres solutions. Donc l'équation E peut s'écrire, Z moins 2, facteur de Z carré, moins Z plus 1 moins I égale à 0. Alors, Z moins 2 égale à 0. Z égale à 2. Z carré moins Z plus 1 moins I égale à 0. On va calculer le discriminant. C'est une équation du second degré. Delta égale B carré moins 4AC. Ça fait donc moins 1. Au carré, moins 4, A, 1 moins I. On a 1, moins 4, plus 4I. Le discriminant donne moins 3, plus 4I. Le discriminant est un nombre complexe. Et donc, nous avons vu dans le cours précédent que quand c'est comme ça, il faut trouver ses racines carrées. Donc, delta appartient à C étoile. Donc, déterminant ses racines carrées. Déterminant ses racines carrées. Ses racines carrées. Delta 1 et delta 2. Bien. Posons. Sigma égale à x plus y, une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. On a le système. Donc, les réels x, y, là, vérifient le système. Suivant. On a x carré moins y carré. Regarde, donc, à la partie réelle, c'est moins 3. X carré plus y carré égale au module de delta. Donc, on aura racine carrée de moins 3 au carré plus 4 au carré. Et enfin, 2x, y, c'est la partie imaginaire, c'est 4. Soit x carré moins y carré égale à moins 3. X carré plus y carré, ça fait racine carrée de 25, ça fait 5. Et enfin, on a 2xy égale à, bon, xy égale à 2. On peut diviser. Xy égale à 2. Nous avons les équations 1, 2 et 3. 3. Alors, par combinaison de 1 et 2, par combinaison donc de 1 et 2, nous obtenons les résultats suivants. Alors, il suffit d'additionner, on aura 2x carré, donc par combinaison 2, 1 et 2, on a x carré moins y carré plus x carré plus y carré égale à moins 3 plus 5.
soit 2x carré égale à 2, x carré égale à 1. On a x égale à 1 ou x égale à moins 1. Bon, on peut directement remplacer dans l'équation 3. Bon, déjà, xy, le produit xy étant positif, les deux réels x et y sont de même signe. Bon, qu'à cela ne tienne, déjà à partir de l'équation 3, nous aurons les valeurs de y. Donc, pour x égale à 1, pour x égale à 1, on aura y égale à 2. Pour x égale à moins 1, on aura y égale à moins 2. Donc, on a les deux racines carrées qui sont sigma 1 qui est égal à 1 plus 2i et sigma 2 qui est égal à moins 1 moins 2i. Alors, on peut à présent trouver les valeurs de z' et z', les solutions manquantes. Donc, z' égale à moins b. Bon, on peut prendre plus sigma 1 sur 2a. Et z second, on peut prendre moins b plus sigma 2 sur 2a. Tout en sachant que sigma 1 et sigma 2 sont opposés l'un de l'autre. Donc, z prime, le b, c'était moins 1. Donc, on aura 1 plus sigma 1. Donc, 1 plus 2i sur 2a. A, c'est 1 sur 2. Donc, on a 2 plus 2i sur 2. Et après simplification, on trouve 1 plus i. Z second, on a 1 moins 1 moins 2i sur 2. Ça fait moins 2i sur 2. Ça fait moins i. On a la deuxième solution. D'où l'ensemble des solutions. D'où l'ensemble des solutions dans C de E est S égale. Alors, on va pas oublier la solution trouvée en amont, c'est-à-dire le 2. Il y a 2. On a 1 plus i et puis on a moins i. Voilà donc, nous venons donc d'achever notre cours de ce matin concernant la résolution des équations du second degré du troisième degré. Bon, on aura d'autres cas, des situations, des équations du troisième degré. Donc, le prochain cours, on continuera avec les équations du troisième degré et les équations du quatrième degré. Merci beaucoup et au revoir. Merci.